Qu'est-ce que c'est que ça? Journal de Noël. Ah oui, c'est vrai qu'on est déjà au mois de décembre. Je hais cette période, je hais cette fête, ça me dégoûte. Bah. Bon, et eh ben puisque vous êtes là, autant profiter du temps qu'on a. Et eh ben je vais me présenter, je suis Kog Enta. Que dire sur ma vie? Elle n'est pas forcément très palpitante, hein, parce que déjà pour commencer, dès la naissance, bah, j'étais abandonné, donc du coup je suis orphelin. J'ai passé toute mon enfance dans ce très cher orphelinat que j'adore tellement. Après, c'était toujours une partie de plaisir, hein. Ouais. Et n'ayant jamais trouvé de famille à cause d'une certaine personne, eh ben, je me suis enfui à mes 17 ans. Et depuis, ben, je vis où je peux, comme je peux, donc c'est-à-dire à la rue. Mais bon, c'est le passé, hein, tout ça, n'en parlons plus maintenant, hein, c'est derrière. On va dire que ma vie a commencé à remonter un petit peu il y a quelques années quand j'ai rencontré une personne qui m'a tendu une main secourable. Et faut pas croire, mais rien que ça, ça m'a quand même permis de pouvoir reprendre mes études. Je suis spécialisé dans la filière sportive parce que ma grande passion, c'est la natation. Vous avez peut-être déjà pu me voir sur certains titres sportifs. J'ai remporté 2 compétitions nationales déjà. On va dire que c'est une petite fierté personnelle et je continue à me spécialiser dans ce domaine. Alors oui, je sais ce que vous pensez, hein, je suis pas débile, hein. Beaucoup de gens me trouvent bizarre rien qu'à voir ma dégaine, surtout à cause de ça. Je porte pas un bandeau à mon bras pour le plaisir, hein. Je me suis fait foudroyer par la foudre quand j'étais petit et je cache ma cicatrice avec ça, donc c'est pas pour le plaisir que je porte ça pendant les compétitions et en journée. Bon, faut dire aussi que ma vie a pas mal changé il y a quelques temps aussi, il m'est arrivé quelque chose d'assez exceptionnel, je m'attendais absolument pas à un truc dans le genre. J'ai reçu un jour un courrier d'un certain maître au Japon, maître Tachibana, me demandant de le rencontrer. Forcément, le Japon, avion, tout ça, vous vous doutez bien que j'ai pas les sous, hein, pour aller là-bas. Quand à ma grande surprise, le voyage était tout frais compris. Donc je me suis dit que c'était bizarre qu'une personne voulait absolument me rencontrer à ce point-là. Je me suis dit que c'était certainement pour le domaine professionnel. Eh bien, pas du tout. À mon arrivée sur place, il m'a parlé d'un mythe, le mythe des Miraculous. Et j'ai été choisi pour en porter un. Je vous avoue qu'au début, j'avais pas mal de mal à croire à tout ça, mais c'est au moment où j'ai rencontré Tabi, mon Kwami, le Kwami du Tigre Blanc, que j'ai commencé à réaliser vraiment ce qui se passait. D'ailleurs, que dire sur Tabi? Si ce n'est qu'au final, c'est peut-être lui mon seul et véritable ami. C'est un Kwami qui est assez curieux, on va dire. Il a tendance à vouloir aller voir un peu ce qui se passe partout, donc forcément, je suis obligé d'aller le rattraper pour pas qu'il se fasse voir. Il a tendance à oublier ce que c'est que la discrétion, mais bon, je l'adore quand même, hein. Il n'y a vraiment qu'avec lui que je partage des moments de complicité. Donc du coup, je suis sûr que vous vous demandez quel est mon Miraculous, bah, je vais vous le montrer, hein, de toute façon. Voilà, c'est le pendentif du Tigre Blanc. Il fait partie d'une boîte qui est composée de Miraculous, des 4 points cardinaux de la mythologie asiatique, à savoir donc le Tigre Blanc, la Tortue Noire, le Dragon Azur et l'Oiseau de Feu. Et du coup, quand je l'utilise, je deviens Byakko, donc le super-héros Tigre Blanc. J'avoue que cette incarnation me permet d'être un peu différent avec les autres gens. J'ai tendance à être pas très très sociable. Mais c'est vrai qu'en étant Byakko, je me libère un petit peu plus et j'arrive à m'ouvrir un peu plus facilement aux gens. Du coup, quand je suis Byakko, j'ai à ma disposition un fouet qui me sert à la fois d'arme pour le faire claquer sur mes ennemis, l'utiliser comme bouclier en le faisant tourner très rapidement. Il me sert aussi de grappin pour pouvoir me déplacer de tour en tour, par exemple, ou d'aller plus rapidement d'un bout à l'autre de la ville. Ajouté à ça, j'ai aussi un super pouvoir, ça s'appelle l'oppression. Quand je fixe un ennemi du regard, il se retrouve complètement paralysé et tétanisé de peur. Et malheureusement, ce pouvoir est assez limité dès que le contact visuel est rompu, c'est-à-dire que si par exemple, si jamais je cligne des yeux, c'est terminé. À l'origine de ma mission, je devais retrouver le Miraculous de la Tortue Noire. Miraculous qui était perdu sur Paris et malheureusement endommagé et qui pouvait causer de très très gros dégâts si jamais il était utilisé. Il faut savoir qu'un Miraculous endommagé perturbe les forces de l'équilibre et le Tigre Blanc étant le symbole de l'équilibre, bah ma mission était donc de le purifier. Après plusieurs mois de combat et de recherche, j'ai finalement réussi à rétablir l'équilibre entre les Miraculous. Au final, cette histoire s'est plus ou moins bien terminée, mieux pour lui que pour moi. Quoique, puisqu'on m'a permis une résurrection après, bah du coup au final, on va dire que c'est plutôt bien terminé. Sauf que maintenant, j'ai une nouvelle mission, je dois retrouver Kraken et la Miracle Box des Ténèbres. Et cette fois, je ne suis pas tout seul. Je fais équipe avec un Pandarou qui s'appelle Akaru. C'est bien, ça rime. Alors, que dire de ma partenaire, c'est un peu compliqué au niveau de mes sentiments actuellement.
étant donné que je sais pas trop quoi penser d'elle. C'est vrai que elle est assez adorable, elle est assez mignonne, mais elle est très 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 envahissante. J'aime bien faire équipe avec elle, même si des fois faut la cadrer un petit peu. Voilà. J'ai quand même hâte de la retrouver pour la prochaine fois. Enfin bon. Toujours est-il que depuis que je suis arrivé à Paris, ma vie a aussi pas mal changé. Je suis toujours les études de sport à la fac, endroit où j'ai retrouvé cette insupportable Candy Madoff. Je peux pas la blairer cette fille, je la hais, je la déteste, c'est à cause d'elle si j'en suis là aujourd'hui. Quand on était petit, elle a tout fait pour que je ne trouve aucune famille. Je sais pas ce qu'elle avait contre moi, mais vraiment, c'est viscéral. Dès que je la vois, j'ai envie de... Et en plus, comme si ça suffisait pas, elle fait comme si c'était jamais rien passé entre nous. Mais moi, par contre, j'oublie pas. Et je crois que j'oublierai jamais. Ah, cette fille, si seulement je pouvais la virer de ma vie et de mes souvenirs. Puis de toute façon, je sais même pas pourquoi je vous parle de tout ça, vous n'en avez certainement rien à faire. Et de toute façon, il se fait tard et ma partenaire m'attend. Donc si vous voulez bien m'excuser, Tabi, transforme-moi.